J'étais un petit garçon, plein de vie et de joie. Un jour que j'étais très gentil, mon père me rapporta un jouet extraordinaire, avec de grands yeux verts. Je l'ai pris dans mes bras, mais quand je l'ai posé par terre, il faisait zip quand il voulait parfumer, mais quand il marchait. Je ne sais pas ce que c'était, et je crois que je ne le saurai jamais. Tout étonné la première fois, quand je l'ai retourné, j'ai vu qu'il avait sur le ventre de gros boutons dorés. J'ai poussé l'un et l'autre après, je les ai tirés tous les deux. Mais quand je l'ai reposé par terre, j'ai ouvert de grands yeux. Il faisait zip quand il voulait, paf quand il venait, quand il marchait. Je ne sais pas ce qui c'était, et je crois que je ne le saurai jamais. Il marcha comme un militaire, d'un coup il s'assit. Il passa sous une chaise et puis, soudain disparut sous le lit. J'ai pleuré tandis que mon père lui riait aux éclats. Car en me retournant, je vis le jouet qu'il était derrière moi. Il faisait zip quand il voulait, paf quand il tournait, quand il marchait. Je ne sais pas ce que c'était, et je crois que je ne le saurai jamais. Les années ont passé trop vite, et justement hier, dans le grenier, j'ai retrouvé ce jouet extraordinaire. J'ai appelé mon petit garçon, je lui ai offert. Il était vieux et tout rouillé, mais quand on l'a posé par terre, il faisait toujours zip quand il roulait, paf quand il tournait, paf quand il marchait. Je ne sais pas ce que c'était, et je crois que je ne le saurai jamais. Je ne sais pas ce que c'était, et je crois que je ne le saurai jamais.